Vous avez fait dans le parc ? Oui, parce qu'on achète ça dans le parc. Oui, vous nous amenez ça dans le parc. Oui, mais pour le matin. Elle n'est pas là. Si, si, si. Mais la voiture, elle n'est pas là. Bon, Philippe est parti chercher la voiture, hein, tu l'as vu ? Oui, ça. Philippe, il était à la voiture. Non, 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 Philippe, oui, sans doute. Il est 3h. Oui, oui, oui. C'est pas là. Je pense que c'est le Non mais là, oh, c'est bien, on met des fleurs. C'est organisé, Si tu veux te voir, il faudrait que tu ailles à Richard, tu vas s'asseoir dessus. Le monsieur à la cravate, il faut bien le filmer parce que il a dit qu'il allait la poser. Voici votre chemin, fuyez ce carrefour.
problème, je repris mon pénible retour. Oublier qui je suis, de même qui je fais. Procéder au mariage de monsieur Lemoroux, Éric, Édouard André et de mademoiselle Lacergerie, Geneviève. Selon la loi, nous allons vous donner lecture des articles du Code civil sur les droits et devoirs respectifs des époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Les conventions matrimoniales. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, il y a contribution à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Monsieur Lemoroux, Éric, Édouard, André, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Lacergerie, Geneviève, Marie, Michel. Mademoiselle Lacergerie, Geneviève, Marie, Michel, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Lemoroux, Éric, Édouard, André. Au nom de la loi, je déclare M. Lemoroux, Éric, Édouard, André et Mademoiselle Lacergerie, Geneviève, Marie, Michel,
unis par le mariage. Bravo! À 15h, devant nous, on comparut publiquement à la maison commune. Éric Édouard André Lemourousse, né à La Rochelle, Charente-Maritime, le 13 septembre 1960, agent SNCF. Fils d'Édouard Joachim Lemourou, agent SNCF, et de Colette Madeleine Elisabeth Moreau, sans profession, avec lesquels il est domicilié, 14 rue du Poitou, à Étré, Charente-Maritime, et mademoiselle Marie-Michèle Laclergerie, née à Neuvy-sur-l'Île, Dordogne, le 31 décembre 1962, sans profession, fille de Antoine Lucien Laclergerie, exploitant agricole, et de Odette Marguerite Louise, Valette, sans profession, son épouse, avec lesquelles elle est domiciliée à Les Janissous, commune de Borone. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait le contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un et l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Nicolas Anciot, militaire de carrière, domicilié 2 rue de la Pépinière à Toul, Meurthe-et-Moselle. Moi je deviens aveugle. C'est mal. C'est votre langue. C'est clair, mais quand même, on ne voit plus. Et de Béatrice Fénelon, étudiante, domiciliée à La Vidalie, commune d'Ouzillac, Dordogne. Témoin majeur, lecture faite et invité à lire l'acte. Les époux et les témoins ont signé avec nous Henri Courrouge, officier de l'état civil, maire adjoint de la commune de Beaune. Pas d'observation ? Allez. Pour la première fois. Monsieur, on est encore sexiste dans l'état civil. Damien, 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 Dam
Vous pouvez passer, Damien. Ah oui, on va. De leur vie, nous voulons les entourer non seulement de notre affection, priez. Sois attentif à nos supplications, Seigneur, dans ta bonté, répands ta grâce sur Éric et Geneviève, et puisqu'ils sont devant ton autel pour s'engager l'un envers l'autre dans le mariage, que leur amour en devienne plus grand. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et choisi par les époux, dans une lettre de l'apôtre Saint Paul aux chrétiens de la ville de Rome. Rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, écrivait l'apôtre Paul. Les abîmes, ni aucune autre créature, rien, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons. Cette deuxième lecture est un passage de la bonne nouvelle qui a uni que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mademoiselle, Monsieur, dans quelques secondes maintenant, dans quelques instants, vous allez vous donner votre parole et vous allez conclure entre vous une alliance d'amour que vous voulez pour toute votre vie. Mais auparavant, en écoutant ces deux lectures de la parole de Dieu, vous vous êtes mis à l'école de celui qui est fidèle, de celui qui nous a aimés le premier, sous la protection de Dieu notre Père. Vous comptez sur son appui, vous comptez sur sa grâce pour réaliser le grand rêve de bonheur que vous avez imaginé pour votre foyer. Que la flamme de votre amour brille pour tous ceux qui sont dans la maison, pour vous deux par conséquent, mais qui seront un jour vos enfants, ceux que vous y recevrez, vos parents, vos amis, vos voisins peut-être. Demandez aussi à Dieu de ne pas être écrasé par les soucis de la vie, puisque nous sommes comme de tout petits enfants dans les mains de notre Père du ciel. D'ailleurs, Jésus l'a répété
bien souvent à ses apôtres. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas trop du lendemain. Le lendemain s'inquiétera pour lui-même, mais à chaque jour suffit sa peine. C'est donc dans ces sentiments de confiance en Dieu que vous allez vous donner dans quelques secondes votre parole. Et vous prenant la main pour faire alliance, j'espère que vous pourrez jusqu'au bout, la main dans la main, marcher toute votre vie et vous retrouver un jour dans le royaume des cieux où Jésus vous a précédé, où Jésus nous a préparé une place, car votre bonheur de maintenant, d'aujourd'hui, n'est que le commencement du vrai bonheur auquel Dieu nous appelle tous. Amen. Vous pouvez vous engager l'un envers l'autre, est-ce librement et sans contrainte? Oui. Vous allez vous promettre fidélité, est-ce pour toute votre vie? Oui. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui. Mes frères, Éric et Geneviève, avec eux nous avons écouté la parole de Dieu qui a révélé tout le sens de l'amour humain. Le mariage suppose que les époux s'engagent l'un envers l'autre sans y être forcés par personne, se promettent fidélité pour toute leur vie et acceptent la responsabilité d'époux et de parents. Et c'est ce qu'ils viennent de nous dire. Et maintenant, ils vont échanger leur consentement, puisque vous êtes décidés à vous engager dans les liens du mariage, en présence de Dieu et de son Église, vous allez maintenant échanger vos consentements. Geneviève, veux-tu être ma femme? Oui. Et toi, Éric, veux-tu être mon mari? Oui. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves. Et nous soutenir l'un l'autre tout au long de notre vie. Donnez-nous la main droite. Je... Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Désormais, vous êtes unis par Dieu dans le mariage, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Geneviève, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Éric, je te donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité. Nous allons nous recueillir quelques instants. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vous pouvez exauce pour tous les foyers que nous connaissons et pour nous-mêmes ici rassemblés, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes les familles du monde et pour la paix dans l'univers entier, ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions.
Luc et Geneviève unissent leurs vies. Tu veux maintenant qu'ils construisent leur foyer, qu'ils cherchent à s'aimer chaque jour davantage et suivent l'exemple du Christ, lui qui a aimé les hommes jusqu'à mourir sur une croix. Amour semblable à ton amour, Seigneur, devienne une source de vie, qu'ils les gardent attentifs aux appels de leurs frères et que leur foyer soit ouvert aux autres. En s'appuyant sur leur amour, qu'ils prennent une part active à la construction d'un monde et qu'en toute occasion de vrais amis vous entourent, que votre travail à tous deux soit béni et que la paix demeure en votre maison. Éric et Geneviève et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le... Thank you.
Ah, il est mort, on a tapé. Mort ou tapé mort. Il est parti.
Voilà. Et
Le 23 sont ouverts, qui en veut. Le 23, demandez à... Étienne, ce que tu veux. Une bière. Patricia. Nicole. Thank you.
sort, là, quelques rentrées à l'époque. Bon, ouais. Thank you.
ne pourra jamais garder ma douleur.
très gentil garçon, chargé de conduire de très riches patrons. Puis de cette belle demoiselle où je touche le cœur, ça fera bien l'affaire de malin chauffeur. Oh, là-bas sur la route, j'ai un petit peu le paquet. Qu'est-ce qu'on va rigoler, la petite sans doute, je vais l'amorcer. On risque caca, s'il faudra que tu m'embrasses, tout va sauter. Le chauffeur avec adresse redoubla sa vitesse comme un ouragan. Il passe les rivières et traverse les coteaux. Écrase son passage trois vaches de haut. La petite tremblante, tremblante de frayeur. Vous allez trop vite, monsieur le chauffeur. Passez-moi la manivelle à main de ralenti. Et quand l'auto s'arrête, ferez du petit bois. La petite répète, répète sa douce voix. Dépêchons-nous vite de réparer la fuite. Un pneu qui est crevé. Ils furent en automobile un si long chemin. Qu'ils furent entrés qu'en ville que le lendemain. Le papa qui est en rage, en rage de sa fureur. Qu'il confie la fille au chauffeur. Oh, de cette aventure que je viens de vous confier, tout le monde assure qu'un bébé est né. Portant sur sa tête une petite casquette, comme son papa chauffeur. Ah, les fraises et les framboises, le bon verre qu'on a rompu. Je vais aller chercher le ciel.
Oh,